présent, nous allons passer à l'intervention de Monsieur Serge Armand Codeau, président de l'Ordre des experts comptables. On va lancer les panels juste après. Sous vos ovations, s'il vous plaît, Monsieur Serge Armand Codeau. Bonjour à tous. Je voudrais à l'entame remercier le président du forum et vous remercier tous, vous qui êtes présents dans cette salle, donc à ce forum, pour l'honneur qui est fait à l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés d'être présents sur cet important événement. Je voudrais juste m'entretenir avec vous, entretenir sur le rôle de l'expert comptable dans l'accompagnement des entreprises à destination Bénin. Deux points principaux. Quelle est l'organisation de la profession dans notre pays? Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un expert comptable? L'Ordre des experts comptables et des comptables agréés du Bénin est créé par une loi, la loi 2004-003 du 27 avril, portant donc création de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés du Bénin. Donc notre ordre est dans sa 16e année de création. Compte tenu de l'importance du rôle qu'il joue dans l'économie béninoise, le gouvernement du Bénin a procédé à la nomination auprès de cet ordre d'un commissaire du gouvernement qui vérifie la régularité des actes posés par l'ordre. Aujourd'hui, l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés du Bénin regroupe 187 experts comptables inscrits au tableau, 102 sociétés d'expertise comptable et 63 experts comptables stagiaires. L'Ordre du Bénin est une profession placée sous le contrôle d'une chambre nationale de discipline dirigée par un magistrat de haut rang, nommé le président de la Cour suprême. L'Ordre du Bénin est l'exercice de la profession d'expert comptable est subordonné à l'inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables. Une commission dirigée par également un magistrat qui assure la régularité de l'inscription au tableau. Celui-là, il est nommé par le ministre en charge de la justice. Nous sommes donc des professionnels libéraux dont l'exercice est soumis à une réglementation et à une déontologie rigoureuse. Nous sommes aussi des professionnels libéraux conseillers naturels de l'entreprise dont les missions sont définies contractuellement dans le respect d'une éthique professionnelle contrôlée par une commission, la commission en charge de la déontologie et par une autre en charge du contrôle qualité de nos prestations. Enfin, nous sommes astreints à une obligation de formation continue de 48 heures par an et à la souscription d'une police d'assurance responsabilité professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un expert comptable au Bénin ici? L'expert comptable est capable d'accompagner les créateurs d'entreprises pendant tout le processus de création ou de reprise d'entreprise. Nous avons une réelle position de conseiller qui s'étend bien au-delà des tâches comptables. Grâce à une vision globale et transversale, nous permettons aux porteurs de projets d'anticiper et d'étudier les éléments de la création d'entreprise, à savoir conseiller sur le choix de la forme juridique la plus adaptée, établir un business plan prévisionnel, conseiller sur les optimisations fiscales,
réaliser la recherche de financement, tenir des assemblées générales, etc. Souvent, à tort, notre rôle est limité à la mission comptable. Pourtant, nous possédons un large champ d'expertise nous permettant de prendre en charge des missions transverses de gestion d'entreprise. En effet, nos compétences vont souvent bien au-delà de la comptabilité et notre pluridisciplinarité est un atout majeur pour tout investisseur ou entrepreneur. Nous savons adapter nos missions en fonction des besoins de nos clients et apportons un accompagnement personnalisé et expert dans les différents domaines. Je ne risque pas de vous ennuyer. Vous avez devant vous un éventail des missions que vous pouvez confier à un expert comptable qui vont de la comptabilité à la gestion, au social, à la fiscalité, au juridique, au conseil et à l'audit. Pour avoir un expert comptable, il vous est loisible d'aller sur le site de l'Ordre des experts comptables, www.oekbenin.bj. Vous aurez toutes les informations sur la profession. Vous aurez également la possibilité de choisir un expert comptable ou un commissaire aux comptes selon la prestation que vous voulez lui confier. Je me tiens à votre disposition sur le forum et également par le canal du site de l'Ordre pour répondre à vos préoccupations. Je souhaite un partenariat fructueux entre l'Ordre des experts comptables et les investisseurs que vous êtes. Et également, je vous souhaite plein succès à ce forum. Je vous remercie. Merci de raccompagner M. Serge Armand Codeau, président de l'Ordre des experts comptables.